Du Je coup, pense qu'on comme je va le disais, mettre oui, comme ça. ça va être un jeu plateforme énigme. Bon, là, on dirait pas, on croirait juste qu'on est dans la contrée, dans Seigneur des Anneaux, là, on va voir Bilbon, là, on sait pas trop pourquoi on est dans la nature, mais. Mais écoutez, apparemment, c'est un jeu de. D'énigmes plateforme. On va voir ce que ça va donner. Moi, de ce que j'ai vu quand le jeu était sorti, ça avait l'air cool. Bon, après, faut voir sur la durée, quoi. En sachant que en fait je viens de le découvrir sur les tags, mais je n'aime pas les jeux de plateforme. Donc on verra ce que ça va donner, honnêtement, je suis curieux. J'ai vu dans les tags de Twitch plateforme, ça me fait un peu peur. Tu fais quoi? Tu m'invites ou je t'invite? De toute façon, je vais t'inviter. Je sens qu'on va devoir relancer parce que je veux pas le perso bleu, mais. Ça va être comme Portal, ça va être le premier test. Alors invitez Bah, un c'est ami. sûr qu'il y a un perso bleu et un perso rouge, donc je me doute que tu allais prendre le rouge, mais t'as surtout que tu prendre le bleu. Ben voilà, comme ça, Donc, faut juste que j'aie eu voilà, le bon perso. c'est. Alors, accepté, maintenant Y. Joues à la manette? Non, non, je joue au clavier. Ok. Bon, de toute façon, les miens ne marchent pas donc. Continuez. Alors. Salut. Ça a Salut été ta mec. journée? Super. Le grille-pain est cassé et Rose a refusé de manger ses légumes. Et chez le dentiste? Le dentiste? Attends, t'as oublié le rendez-vous chez le dentiste? Non, j'ai pas oublié, je pensais que tu l'emmenais demain. Non, c'était aujourd'hui. Je travaille demain. C'est samedi. Je sais, je dois faire des heures sup. Tu dois en faire chaque semaine? Oh, Cody, je suis pas d'humeur pour avoir encore cette discussion. Hey, Rose a besoin de nous deux. Tu le sais? C'est pas juste de l'utiliser. Je l'utilise pas, j'énonce simplement un fait. Qu'est-ce qu'on attend pour lui annoncer qu'on divorce? Oh, tu crois que c'est aussi simple? Ouais. Mais écoute, c'est pas plus facile pour moi, d'accord? On lui dit pas. On n'a qu'à rester amis, plutôt. Oui, on reste amis pour toujours. Je t'aime, Cody. Moi aussi, je t'aime, mais... Bah, je vais prendre le gros rouge, hein, je crois. C'est bien qu'on puisse choisir. Bon, ça paraît vrai, comme ça, tac. Là, c'est bien, c'est le jeu du doublé en français. On dirait à Lara Croft celle-là. Dis, ma puce, tu me passes ton éléphant une seconde? Voilà. Rose, ma chérie, tu sais qu'on t'aime, hein? Oui. Et parfois, ça nous oblige à faire des choses qui sont pas toujours très drôles. Ce qu'on essaie de te dire, chérie, c'est que... Eh bien, maman et papa ont décidé de suivre des chemins séparés. Ok. Je peux aller jouer dans ma chambre? Ouais, ouais, bien sûr, ma puce. Docteur Hakim, j'ai besoin de votre aide. Il faut qu'ils restent ensemble.
Regardez, c'est écrit ici. L'amour, c'est du travail. Vous devez faire un effort. Vous pouvez pas abandonner. Maman, papa, j'aimerais que vous soyez amis à nouveau. Et toi, pourquoi t'as l'air d'une poupée en bois? Regarde. Oh non, regarde ça. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Quoi? Pourquoi tu m'accuses toujours, hein? Oui, pourquoi vous l'accusez toujours? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le docteur Hakim, best-seller mondial et expert en amour. C'est votre fille qui m'a acheté, la chanceuse. J'étais le dernier exemplaire. Je partais comme des petits pains. J'ai aidé des millions de couples, comme je vais vous aider maintenant à vous remettre ensemble. C'est clairement un cauchemar. Ouais. Il faut que je me réveille. Oh, oh non. Oh, oh mais... Mais... T'es là? On peut pas se réveiller? Exactement. Ok, monsieur le bouquin. Donc, comment on se réveille? Cody, mais vous êtes ici pour arranger votre relation. C'est déjà fait. Ouais, ouais, voilà, on divorce. Tout va bien. Non, je vais vous aider à réparer votre relation. Premier chapitre. Réparez votre relation. De plus, j'ai promis à votre fille de sauver votre mariage. Vous voyez, l'amour, c'est comme une montagne. Vous regarde, deux, vous êtes une rivière. Et là, mais c'est on rose. Voit des fleurs qui poussent dans l'air. Viens, et puis vous deux, on va la voir. Vous êtes, elle sait forcément comme, ce qui comme se passe. Des papillons qui volaient dans la montagne, comme deux tourtereaux. Vous comprenez? Eh ben, vous êtes où? Ça y est, on peut jouer au jeu. Ouais, ça y est. Comment arriver jusqu'à elle? Oh, y a des qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il n'y arrivera pas. Oh, j'aime pas la sensi. Peut-être, non. Attendez. T'as mis en pause pour toi aussi ou pas? Ouais, c'est marqué pause de l'autre jeu. Ah merde. Ah, on peut pas changer. D'un côté, c'est logique, hein. On c'est un truc en coop, hein, donc. Donc ça paraît logique. Eh mais c'est vrai que pour les deux, faut pas que je me trompe du coup. Attendez, on va monter un peu parce que ça manque un peu de sens ici. On va bien trouver un moyen. Ouais, on va dire que ça y va. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est au fin fond du sous-sol là, ou je sais pas ce qu'on est là. Ouais, faut monter. Putain. On me demande s'il faut pas faire qu'il y en ait un qui éjecte l'autre. Ouais, on dirait qu'on peut monter sur la planche. Alors comment? Le jeu est joli, hein. Par contre, il n'y a rien à dire.
Ah bah y'a ça, tiens. Ah oui, parce qu'il faut être tous les deux pour le... Hey mec, aide-moi à me sortir de là. Oh waouh. Oh. Oh mais... Mais ils sont vivants. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas faire descendre l'escalier sans ces fusibles. Mais... Les fusibles, ils sont... Ils sont enfuis, tu les as pas vus avec leurs petites pattes de fusibles. On s'occupera de ça plus tard. Il faut absolument qu'on les ramène. Mais je me sens tout bizarre. Oui, évidemment, t'es en argile. Tire pas les fusibles des yeux. Ok, je veux dire, t'es en bois quand même. Je suis un peu raide. Ouais, pareil. Mais en bougeant, je sens que ça s'arrange. Oh, j'espère bien. Cody, tu te concentres un peu. Oh, ça va. Bah, on peut monter. Allez, les fugitifs. Oh, il est coincé. Essayons de le faire sortir. Bah, c'est le tuto, ça. La liberté, hein. Ah, oui, d'accord. Bah, c'est Mario, ça. Je le reconnais. Ah bah je me suis cassé ma gueule. Ça va, checkpoint t'ont pas l'air énervé. Ah bah je me suis recassé ma gueule. Ça te fait sauter Ah c'est bon. Ouais, je crois que ça fait rebondir aussi la 6 je crois. On va peut-être courir monsieur là. Quoi ce bazar? Cody, attention à ta tête! T'inquiète, t'inquiète! Aïe! Mon dos. Il va même pas courir longtemps ce fusible là? Je crois qu'il faut qu'on saute en même temps. Ah, là que j'arrive à. Ok. Putain, c'est comme dans Zelda, il nous faut le pouvoir pour. Ah bah, c'est... J'allais dire, il nous faut le pouvoir pour inverser, mais non, mais la blague a été annulée. On peut s'agripper dessus, ah, c'est encore plus simple. Je suis passé dans le grenage. Ah, oui, on peut pas toucher l'engrenage, merde. Ah, il y avait une scie. Visiblement. Bah. Eh, mais mon personnage il est trop gros là, merde. Ok. Ah bah d'accord, je me suis fait casser ma gueule par un saut, très bien. Ce pot pourra peut-être nous aider. Monsieur, arrêtez de courir la merde. Elle est partie où? Oula. On dirait que ça actionne la scie. Ouais, essayons. Oula. C'est ce que je pense. Oui, d'accord. Hey, j'ai besoin de toi ici. Ah bah là. Waouh. Hey mais, t'as vu mon salto? Je vais le refaire. C'est pas le moment de faire des cabrioles. Oh mince, t'as raison. On court des fusibles sur pattes. Allez, vite, bien. C'est le tout dernier. Il faut qu'on l'insère. Oh. Oh, parfait. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, saleté de fusible.
Hey. Elle est là. Rose. Rose, ma chérie. Oh là. Oh non, pas encore vous. Oh, dégagez de là, stupide bouquin. Ouais, poussez-vous, je dois parler à ma fille. Allez, oust. Votre fille? Oh, vous en parlez comme si elle vous appartenait. Réfléchissez un peu. Les personnes qu'on aime nous appartiennent-elles? Ça vous dérangerait de nous laisser passer? Allez-y. Mais d'abord, je voudrais vous présenter quelqu'un. Tcha 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 tada. Oh, c'est quoi ce truc? J'ai l'impression de connaître votre voix. Moi? Oh, quoi? Non, non. Non, je vous ai jamais rencontré. Désolé. T'as vu, on dirait une sorte d'aspirateur. Ah ouais? Évidemment, puisque c'est votre aspirateur. Hé, hey, l'aspi, qu'est pas ça? Tu sais qui c'est, lui? Eh bien, je vais te dire. C'est Cody. Tu sais, le type là, celui qui t'a fait avaler tout un tas de saletés. Oh, non, c'est... C'est toi! Tu m'as rendu malade avec toutes ces saletés! Des saletés? J'aspirais juste la poussière, c'est tout, juste... Oh, c'est dégoûtant! Oh, regarde, je l'ai retrouvé, le... C'est ça que tu appelles de la poussière? Oui, enfin, un certain truc, ah, mais... c'est... Mais c'est pour ça qu'il était cassé! C'était ta faute! Oh. Et toi, tu avais promis de me réparer! Merci! Au lieu de ça, tu t'es contenté de me laisser pourrir ici. Ouais. Oh non, pas encore vous. Vous voulez retrouver Rose? Oui. Vous voulez parler à votre fille? Oui. Oui. Alors vous devez escalader l'aspirateur ensemble! Oh non! Pourquoi vous nous faites ça? Parce que vous devez apprendre à collaborer! C'est pas notre point fort. Voyez-vous, la collaboration est la clé d'une relation de couple réussie! Hein? Collaboration! Vous comprenez? Allez! À plus tard. Hasta la vista. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Salut. Sale bouquin. Ça serait jamais arrivé si tu l'avais pas cassé. Ah oui? Ce serait jamais arrivé si tu l'avais réparé comme tu l'avais promis. Ben, je savais pas qu'on allait finir dans un monde où l'aspirateur est vivant. Et pourtant, nous y voilà. On est peut-être coincés ici pour toujours. Pour toujours? Il n'y a pas moyen. On va divorcer. Oui, je sais qu'on va divorcer. Mais pour faire ça, il faudrait d'abord qu'on récupère nos corps. Ok. On escalade cette saleté d'aspirateur. Oh, c'est pas le dernier Dyson, le truc, il est bizarre, votre aspirateur. Hein. Ouais. Attends, j'arrive dans deux minutes. Ouais. C'est pas les tuyaux d'aspirateur, là. Je sais pas, c'est bizarre. C'est louche, j'arrive. Le développement personnel, il y en a pour qui c'est important, ok? Oublions ce bouquin. Il faut arriver jusqu'à Rose. Peut-être juste descendre, hop. Peut-être descendre un tout petit peu le son du jeu. Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais... Par contre, ouais, c'est pareil. En vrai... peut-être que je peux être juste en moyen.
essayer de récupérer un petit peu plus de FPS. Ouais, c'est un peu plus de FPS, là, 40. Par contre, ouais, je sais pas où est-ce qu'on est là, mais. Ça me paraît un peu bizarre le liquide qu'on a là. Hein. Est-ce que c'est de la boue? Ou alors c'est peut-être de l'huile? De l'huile de vidange peut-être? En tout cas, c'est bizarre le truc. Hop, c'est bon. Ah, tu vas voir, il y a un liquide un peu suspect là, de l'autre côté là. Je sais pas ce que c'est, mais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas ce que. Oula. Putain, ça a l'air pas sympathique ça, non? Il faut passer dedans. Apparemment. Ouais, par contre la bouillasse c'était pas ça. Non mais la vie faut qu'elle... Ouais faut le déplacer. Ouais faut qu'il y en a qui le porte alors. Ah, essaye de pas me lâcher, d'accord. En fait tu peux peut-être juste passer direct. Je peux pas viser plus haut. Je pense qu'il faut se faire injecter par le truc hein. Activer le ventilateur, là tu vas pouvoir venir. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, j'ai dans la mauvaise direction. Oula. Oh putain, j'ai hésité. Fallait pas hésiter. Par contre, ça s'arrête pas de venir là. C'est ah, d'accord, bon. Ça l'inverse. Le courant s'est inversé. Bah, tu peux revenir, je crois, du coup. Ouais, bah attends, faut bien attendre que tu mettes le. Ah, ouais, peut-être que. Là, parce que je vais t'aspirer dans le. Truc. C'est quoi ce truc? On doit sauter dedans? Ouais, je pense que oui. Hop. Je peux pas respirer. Ah, par contre, on arrive, je sais pas. Là, on se fait éjecter ou on se fait attirer? Attends. Ouais, on se fait pousser. Je pense qu'il faut que je vienne en fait.
Ah ouais, mais comment aussi? Le tuyau, si tu bouges, ça, ça peut l'arrêter. Ouais, et puis c'est ça. Mais dans tous les cas, on n'est pas trop. À moins qu'il faut swap dès que le courant passe, peut-être. Ouais, à mon avis. Faut être placé, moi dès que ça passe, je vais à l'autre. C'est peut-être le temps, je pense que c'est ça, hein, ouais. Ouh, vite. Ok, c'est bon, là, c'est le premier coup. Ça valait le coup de s'électrocuter. C'est fait. Quand tu rates le truc. C'est quoi cet aspirateur qui fait Il fait 14 mètres de long, machin. Ah. On est où là? L'installation électrique me paraît pas aux normes, hein. Par contre, il y a des choses étranges. Ça va. Ah, mais je fais que tu dis ça. Allez, vas-y. Alors, t'es où toi? Ah. Tu fais quoi? T'as arrêté l'hélice là? Je peux la faire tourner. Je pense qu'il faut que je monte dessus ou. Voilà. Vas-y, commence à tourner. Bah voilà. Ok, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire passer? Il y a un truc là. Oui, ça va alimenter le ventilateur. Ouais. Ah, faut que je te fasse passer, je pense. Je sais pas, ça fait quoi le levier? C'est inverse, faut que je te, ah, je te time, je pense. Ah oui, non. Ah, hop, je saute. Là, je saute. Ah merde. Ah, tu t'es cassé ta gueule. Il a foiré le saut. Je saute. Ah, il faut faire le. Ah, y'a un broyeur en dessous, d'accord. Merde, pardon. Allez, hop. Hop. Alors, par contre, d'avoir un truc pareil pour moi de l'autre côté, je parie, ouais. Ouais, on va s'amuser là. À ton tour. Mais je saute. Ah. Je saute. Ah. Je saute. Ah. Ah. Bon. Je saute. Ah, oh, mais. J'appuie dès que tu me dis que tu sautes. Je saute. Ah, voilà, c'est pas le ventilateur. Je saute. Ok, je saute. Nickel. Je vais diminuer encore les. J'ai des petits lags, alors je vais peut-être diminuer au minimum les. Oui, on les voit les lags. Ouais.
vais les diminuer, je vais tout mettre au plus bas là. Parce que... Après, je pense pas que ce soit le jeu qui consomme le plus, mais enfin. Ah, mais ça peut. Voilà. De toute façon, c'est toujours beau, hein. Pour... Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, ça donne le gerbe, ça. Juste passer, je pense. Regarde-moi toutes ces cochonneries! Je vais couper du coup la webcam parce que je pense que c'est ça qui bouffe les performances. Alors, on va désactiver le raton, le panda roux là. Hop, voilà. On va voir si on regagne un peu de performance. Après, c'est la je suis remonté à 40. Et pour l'instant, j'ai l'air d'avoir un peu plus de performance. Bah, la même. Ouais, il va falloir que tu me. Boum. Qu'est-ce que ça fait? Le tuyau t'aspire en fait, il va t'éjecter par là, je suis passé. Voilà. Ding. Je suis tombé. Oula. Il a des tuyaux de 3 km de long. Hein. Ouais. Il est bizarre, hein, leur fabricant d'aspirateurs là. D'accord, vous allez par là. Attention, je saute. Oh merde, désolé, j'étais pas concentré, je regardais ton stream. Ouais. Ah, bon. Là, c'est moi, j'ai complètement raté le. Voilà, attention, je saute. Et. Bon, là, t'as pas besoin. Par contre, ah d'accord, faut que je... Est-ce qu'il faut que je fasse tourner les trucs? Ah. Est-ce qu'il y a un truc à faire tourner? Ouais, je pense. Ah oui, à mon avis, faut que... Oh, c'est 700 fois trop rapide. Ah, c'est bon. Fais gaffe parce que c'est... Faut te mettre en petit. Ah, hop, voilà. Alors on est où là? Putain, mais c'est l'ascenseur du temple de la forêt, ça je reconnais. On va aller faire Ganon Spectral en fait. Ah, j'ai raté le. J'ai raté le tuyau. Je suis où là? La trappe elle est là. Je pense que je me dépêche. Ah. Que je te soulève là-bas. Ah ouais. Alors là, c'est pas ce que ça va faire. Ah, ça a inversé le tuyau pour toi. Là, faut que tu te fasses aspirer par le bout et que tu vas être éjecté, je sais pas où. Oh putain! J'avais pas les mains sur le clavier. D'accord, ça veut dire qu'il faut que tu, faut que je te gère apparemment. Non mais c'est moi qui me suis cassé la gueule en vrai, je pense. Non non, là, apparemment faut que je lève le tuyau. Hein. Oh. Là, je vais arriver vers toi, je pense. Ouais. Non. Alors, à quoi ça sert que je faut soulever? Bah, là, d'accord, ça. Faut que je vise les balles là-dedans. Cette poussière et...
Après, faut que tu balances les balles dedans, non? C'est bon, je pense qu'il y en a assez là. Oh merde! Au secours! C'était pas prévu ça. Ouais, si tu rentres dans le tuyau, je peux te faire. Par contre, moi je passe par où? Eh bien là. Ah, d'accord, on reste séparés pour l'instant apparemment. Par contre, ça sent le boss, non? La salle ronde? Ouais. Ah ça non. Ça sent le boss aspirateur. Ah si, totalement. Si, ça c'est totalement un boss. Vous avez détruit mon système digestif. Ouais. Et ensuite, vous m'avez laissé pourrir ici. Alors maintenant, vous allez mourir. Non, non, attends. Je peux encore te réparer. Tu fonctionneras à nouveau. Assez de mensonges. Non. C'est vrai, elle est ingénieure. Elle est super douée, c'est vrai. T'es très douée. Ah, si. Hé, hey, l'aspi. Tu vas quand même pas avaler ces sornettes, hein? Moi, j'y crois pas une seconde. Oh non, ne l'écoute pas. Dès que j'aurai retrouvé mon corps, je te réparerai. Ah, vraiment? Alors pourquoi vous avez acheté un Turbo X2000 super cher, hein? Quoi? Vous m'avez remplacé par un Turbo X2000? Ce prétentieux modèle français qui sait même pas aspirer correctement? Je vais vous montrer qui aspire le plus fort! Bon, ok, faut que j'y aille! A plus tard, hein! Bonne chance! Allez! Bon, monsieur. C'est un peu le livre! Putain, on a de la vie! Cet aspirateur est ma boule! J'ai l'impression qu'il faut y envoyer. Peut-être c'est dans la tronche, ouais. Attendez, on peut peut-être le. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah merde. Arrêtez ça. À deux en fait. Ouais. Faut qu'on soit chacun sur le tuyau. Ouais. Aïe. Tiens, prends ça dans ta gueule. Aïe. 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 Go, seule marionnette. Pas de vous déchets enflammés. Allez, vas-y, aspire-moi tout ça. Bing. Oh bah c'est bon. Ah. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un démineur! On est le 14 juillet. Tant qu'il reste au moins un en vie, on peut revivre. Quand on meurt tous les deux, en fait, c'est. Comment ça se faut faire là? Faut recommencer. En fait, faut pas être trop près du truc, des tuyaux, sinon les bombes ils arrivent. Ouais, ils arrivent derrière. Ils arrivent derrière. Putain, on lui a fait mal cette fois. Ah, c'est les boules, ouais. Je crois, qui nous font mal. C'est nos one shot. C'est en le fait. Rocher, ouais, qu'on se prend. Ouais.
Allez, canonnier à vos pièces. Arrêtez, ça brûle. Papa ! Montrez-moi comment vous sautez. Alors là, il va pouvoir tomber quasiment à un tiers de sa vie restant. Voilà, mais le problème, c'est avec les rochers là. Aïe! Ah ouais, donc c'est le one shot en fait, on prend un truc plus ça en fait. Ouais, d'accord. En fait, pour faut éviter. Prendre l'un ou l'autre. En fait. Ouais. Mais les deux, oui, c'est le one shot. On est nul à chier, on gueule à ce premier boss. En fait, c'est surtout qu'il est de plus en plus compliqué puis il perd de vie donc. Oups. Merde, mais arrêtez. Ah merde. Bon, il a fait moins mal que les autres, quoi, là. Ouais, peut-être le one shot en vrai. Triche, il faisait pas ça avant. C'était le toit de la mort. Sacré d'aspirateur. Vite, trouvons Rose avant qu'elle parte. Ah, j'espère qu'elle sait ce qui nous arrive. Elle sait forcément quelque chose. C'est elle qui a fait ces poupées. Elle les a fabriquées. Ouais. Mais pourquoi elle les a faites à notre image? Aucune idée. Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Mais pourquoi faire? C'est une môme, elle a des tas de jeux. Oui, j'imagine. Allez, on doit la trouver. Le savoir, c'est ton endroit ici. Je m'appuie ici depuis des lustres. J'ai l'impression que tout a changé. Ouais, on dirait une fiction déformée de la réalité. On peut vraiment sauter là? Ah oui. Ouais. Oh. Oh non. Comment on va là-bas maintenant? Je peux vous aider. Hein? C'était qui? C'était qui? Je sais pas. Par ici. Regarde. Je connais le chemin. Viens. Je vous emmènerai si vous m'aidez à sauver mes amis. Quels amis? Mes amis, les outils. Avant, on était en portant, on nous bichonnait, puis l'humaine nous a enfermés dans sa boîte et elle est partie. La boîte à outils de mai. Oui, oui. Cette femme sans cœur, tu la connais? Non, il la connaît pas. Mais j'ai entendu dire que cette femme sans cœur a trouvé du boulot et qu'elle n'a plus le temps pour ses loisirs, malheureusement. Mais on s'en fiche des loisirs. Vous savez ce que ça fait de mourir de rouille?
C'est comme brûler doucement, tout doucement. Doucement. Écoutez-moi, le marteau. Il y a un spray anti-rouille dans ce placard. On vous aide à sauver vos amis et en échange, vous nous amenez jusqu'à Rose, là-bas. Marché conclu. Ramasse-moi. Ok. Va jusqu'à cette grande porte, là-bas. Retire le clou, on va en avoir besoin. Ok, c'est parti. Wow. Il est parti où? Siffle-le. Quoi, sérieux? Wow. Cool. On a un clou volant et un marteau parlant. C'est parti. On a de nouveaux outils. Regarde-moi ça. Wow. Attention avec ce... Lisez le marteau. Ne plante pas dans l'œil. Et toi, me lâche pas ce marteau sur les orteils. Ok. Oh, faut que je tire où dans sa tête. Ouais, moi aussi. Putain. Putain, c'est pas moi. Mais là, c'est moi qui m'occupe du clou. D'accord, d'accord, j'adore ça. Ah! J'ai voulu casser les bouteilles, mais non. Voilà. Ok, ça sert à quoi? Ah, faut qu'il y en a qui passe de l'autre côté, non? Du coup, il y a un truc à viser, je suis pas sûr, vas-y, tire. Oh, c'est bon. D'accord, faut que tu bloques le... Faut que tu bloques le mécanisme. Ouais. Tu sais qu'à un moment, on va avoir un lance-flamme, une sorte de lance-flamme. Avec des écureuils. Peut-être se balancer sur ce clou. Moi, faut que tu plantes ton clou dans le bois là, non? Là peut-être. Ah ici. Ah d'accord. Et pourquoi il y a le marteau? Bonne question. Tu peux peut-être y aller. Vraiment, ah ouais. Faut m'accrocher avec le marteau. À mon avis, tu peux t'accrocher, ouais. Okay. Je fais genre quelque chose comme ça pour que tu puisses passer. Merci, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça va, c'est un peu des énigmes un peu à la Portale. Hein. Ouais. Un truc un peu en coop. Il y a un clou là. Ah, t'as un deuxième clou pour toi. Ah bah je vais pouvoir passer seul du coup, je pense. Cool. Des munitions. Ah quoi que non. Oh, il y a un truc là. Quoi que non, non je pourrais pas. C'est bon. Oh. Et quoi ça sert ce truc là? Ok. Ah, je dois pouvoir le verrouiller peut-être. Faut en haut. Ouais, faut que tu les verrouilles par le dessous. Ah ouais. On voit qu'il y a une cible là. Ou alors faut que je le mette à mi-hauteur pour qu'on puisse monter peut-être. Laisser descendre un peu. Non, je pense que là c'est la bonne hauteur quoi. Ok, bah vas-y alors. Ah bah non, ça le fait tout seul en fait. Ça le fait tout seul. Oh, ça va être satisfaisant, ça. Très bon choix de jeu, merci Nezako. J'approuve aussi pour l'instant. Son lot de défis. Et les défis vous font grandir. C'est quoi votre problème? Vous pouvez pas nous laisser tranquille? Oh! Quand on accepte de relever un défi, on apprend quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, quand vous entendez ce bruit, oh, suivez-le!
Continuez à le suivre et vous trouverez le défi que vous cherchez. Bienvenue dans votre premier défi de couple. Gagnez ou perdez, mais vous devez jouer ensemble. Oh, je crois qu'on n'a pas le choix. Bon, tu veux essayer? On n'a pas le temps pour ça. Quoi? T'as peur de perdre? Moi? Là, tu rêves. C'est parti. Ah ouais, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Découvert, frappe Cody. Ah, mais il doit y avoir un truc, il doit y avoir des bestioles qui doivent sortir ou un truc comme ça, regarde, on dirait que c'est le... Ouais, on dirait un tapto ou un truc comme ça. Ouais, mais faut que tu fasses un truc toi, non? D'ailleurs, je crois que t'avais un bouton niveau du carton. Hé hey, Cody, viens voir. Ah, c'est peut-être moi que tu dois... peut-être moi que tu dois taper, non? Non, je peux pas aller... Je crois que... Non. Ah si si, si, mais, oui, mais par contre... Ouais. Frapper Cody. Ah oui, donc je suis un Pokémon, moi. Tête, Cody. Ah, tu m'auras pas. Je suis vif comme la tour. C'est pas la vie de mon marteau. Attendez, faut que je gagne, là. Faut que je sorte ou pas? Coucou. Joli coup. Qu'est-ce que c'est con. C'est bon, j'ai gagné. Je suis trop rapide pour toi. Je t'aurai la prochaine fois. Bon, voilà, voilà. On a fait le truc. Ah non. Et putain. J'ai trouvé ça drôle. De ta mini-jeu à la con. Est-ce qu'il faut que t'en mettes un coup là-dedans? À mon avis, tu peux passer, non? Ouais. Tu récupères pas ton clou? Ouais. Merci. Tiens-toi bien. Non, par contre, faut que je fasse passer, moi. Ah, par contre, pourquoi je suis dans le noir? Oula. Il y a un truc là. Il y a encore une machine dans le passage. Ah ouais, d'accord. Je crois que t'es au même niveau que moi, mais. Ok. Bon, mais ça, à mon avis, ça a l'air d'être coincé. Bon, on va essayer de te faire éjecter. Ah bah ça marche. Ah ouais, d'accord. Ok, je peux passer du coup. Ouais, là, il va falloir mettre un clou dans le truc là-haut. Oh, ouais, ça c'est les trucs, les murs en 2D à la portale, clairement. Je crois que tu vas devoir y aller, toi, par contre. Ouais. Ça, c'est clairement pour toi. Ça, c'est toujours marrant, les murs en 2D. Pas en 2D, mais enfin, vous m'avez compris. Alors, je crois que tout veut te casser ta gueule dans ce parcours. Je ferai bien attention à vous. Ouais. D'accord. Alors. Alors, par contre, comment ça s'est passé? Parce qu'il n'y a pas de forme, elle est liée au. Je peux peut-être le bloquer. Ah oui! En fait, tu peux le ralentir, il y a un trou. En bas de la plateforme. Un trou en bas de la plateforme. Il y a un trou en bas de la plateforme. Ah oui, ok, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc, ouais, faut que tu ralentisses pour changer le rythme. Moi, ouais, je pense que je vais le mettre au milieu, temps. Mais. Parce que là, moi je peux pas passer là. Et putain! C'est bon. Là, je pense que tu pourras passer.
Ouais. Bon, c'est pas parfait, mais ça devrait aller. Ah. Merde. Ah. Et en fait. T'arrives à passer ou pas? Ou c'est trop loin? Attends. En fait. Je pense que tu peux. Faut que j'ai le dash et. Ou alors faut que je m'éloigne un petit peu. Faut que j'arrive à doser en fait où j'atterris. Où j'atterris au bord en fait. Voilà. Ok. Par contre. Ouais. Non. Attendez, je vais te bloquer. Faut que tu bloques les deux. Ah ouais, en vrai, je peux peut-être bloquer les deux. T'as raison. Oui, faut que tu bloques les deux. Voilà. Là, ouais. Je pense que je vais pouvoir passer. Il est mis comme une chèvre, hein, mais. Ouais, faut que j'arrive à trouver le bon endroit où sauter. A mon avis, faut que tu le rappelles celui-là quand. Ok. Bon, heureusement que je parais qu'il doit avoir un checkpoint quelque part. Bah, ça doit être ce truc là, à mon avis. Ah non. Par contre, il va y avoir des clous là. Oula, d'accord. Ça va être chaud ça. Ah merde, il faut que je remonte. Je suis pas au bon endroit, pas à bonne hauteur. Ah. Le problème c'est que le truc. Oh, je sais pas comment t'es passé, mais t'es passé. On va s'amuser là. Super saut. Ok. Bon, attends, faut que je te fasse passer. Putain. Sérieux ? Ah bah y'a un troisième clou. Comment que je passe du coup ? Y'a un truc à faire avec le marteau là, mais je sais pas ce que ça fait. Maintenant peut-être. Oh, pas comment t'es passé aussi là. Non. Alors là où mon avis c'est pour toi, ça doit être la sortie. Et là faut que je te refasse passer certainement. Ouais, tu balances les clous pour faire les passerelles. Encore un exercice. Tu crois que t'as raté mon lancer? J'espère pas. A mon avis non, c'est pas comme ça. Attends. Non, faut que je saute et que tu mettes dans le premier et dans le deuxième après. Ouais. Ah, j'ai pas eu le. J'ai pas eu le truc. Merde. J'ai tout pété. Tiens. En vrai, je reste voilà. Je reste sur le machin. Là, je pense qu'il faut que tu. Ouais, que on reste à droite. Enfin, à gauche. Ok. Vas-y, saute. Là, par contre. Ah ouais. Ah, mais là, j'en ai pas la hauteur pour. À mon avis, faut que tu remettes la plateforme. Le mur qui est fermé là, faut que tu le remettes. Hop. Ok. Là-haut. Là-haut. Vous faites du bel équipe, vous savez. Bon. Je crois qu'il faut que tu casses la gueule aux bouteilles là. Ouais. Faut que j'arrive là. Merci. Hop.
Aidez-moi à l'ouvrir. Ah, elle est où le bouton? Elle est là. C'est lui. Pas plus, je crois. Debout, vite. Elle s'échappe. Il faut l'arrêter. On va s'occuper de cette boîte à outils. Allez, bon, les copains. On est tous en mer. Oh putain. Oula. On se voit par ici. Oula, mais ça va être l'écrasage là-dedans. Ah oui, ok. Ah, vite! Oh merde! Ah. Ah! Qu'est-ce que ça fait ce truc là? Ok. On l'a vu, c'est moi qui dois y aller. Non, non, tu peux y aller. Non, non, je vais rester de côté. On va être chaud là. Voilà. Ça sent le prochain boss, ça, la boîte à outils là. Ouais. Ah. Bah alors, t'as un double saut pourtant. Par au-dessus. Ah d'accord, il y a un truc avec le marteau là. Ah bah. Je me suis mangé des clous. Aïe. Ah, tu m'as enfoncé dans le bois. Pour ce bazar. Ah non, faut peut-être que je verrouille aussi. C'est un boss. Ah ouais, c'est un boss. Ah, faut que tu le clous, ouais. Ouais, alors que tu lui coupes des clous. Maintenant, fais-moi traverser. Il lui casse sa gueule. Allez hop, dégage. En vrai, les cadenas ils ont pris cher, hein. Ouais. Oula. Oula. Je vais cracher. Ah. Je crois. Ouais, partenaire a quitté la session, c'est marqué. Ah.
Comment se fait-ce? On va mettre ça, ça améliorera peut-être les performances. Comment se fait-ce que ça a craché? Pour espérer que la sauvegarde ne soit pas cassée. Oh, je pense pas. Je vais en ligne. Ah oui, il y a des mini-jeux. Faut que tu m'invites. Ouais. Hop. Boum. Ouais. Ok, on est devant le mec, ça va. On espère que ça recrache pas. On va reprendre tarif. Et prends ta perceuse. Mais il y a des trous. Ah oui, bah oui, elle a fait des trous. Monsieur, arrêtez de faire ça, voyons. Oh mon dieu. La soirée va recommencer. La personne ne pas. Monsieur, vous restez là, vous êtes en train d'arrestation. Vas-y, cassez-lui sa gueule. J'ai perdu un bras déjà. C'est le général Greyfus. Il a plusieurs bras. Ah, on a perdu le marteau. Ah non, il y a le marteau toujours. Ça doit faire mal. Oula. Je pense qu'il va falloir que tu fasses péter le. Ouais. Monsieur, calmez-vous là. Ouais, à mon avis, il va falloir que je t'éjecte en fait. Le bras là, il est là pour, c'est pour un marteau là. Ouais. Ah oui, donc ça fait mal. Ah merde, on va devoir recommencer. Ah bah ça c'est va. Bon, il a gardé la ouais, phase quand on même. Ouais, cette phase. Aïe. Je... Ah t'es bon. Il prend pour des mouches là hein. Ouais. Bon, allez, monte dessus. Ça... Allez, vas-y. Putain, c'est Zelda, il y a un bullet time. Merde. Il les joue pas encore plus là. Oh putain. Ah putain. Aïe. Ah putain. C'est un gamin. Oh.
Ouais, il fait beaucoup de planches là. Mais... Hey, on peut pas bouger. J'éclate cet aérosol. Feu. Feu. J'ai raté. Ah. J'ai tout raté. A mon avis, je pense pas qu'il va recouper la planche parce que là il reste plus grand chose. Donc... Si. Ah si. Ah, je pense à tous. Ah. Je vais me casser notre gueule là. Merde. One shot avec son truc. Aïe. Ça ah, je suis apparu au bon moment. C'est bon, ça va être le saut. On achève cet aérosol. Feu. J'ai participé et je suis pas un héros. Vous avez vu cette explosion? Bon, enfin bref, on n'a toujours pas retrouvé Rose. Oh, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Sébastien, tu peux les aider? Faut qu'ils aillent de l'autre côté. Oh, quoi? Oh, wow. Oh, souplesse. Montez à bord. Ok, mort. Vous êtes sûr? On ne risque rien. Ok. Oh. Je le sens pas, ça me dit rien. Détendez-vous. Ok. Ne vous inquiétez pas, il est très précis. Sébastien, balance. Coincé, c'est juste dans la tête. En ne regardant que la porte fermée, vous allez rater celle qui est ouverte. Ok, pour info, il n'y a qu'une seule porte dans cet abri. Et une fenêtre. Bien observé. Mais, wouhou, on va à la fenêtre. Wouhou. Ok, ce bouquin est complètement timbré. Oh putain, c'est Fortnite, c'est les règles de glisse. Ah. Même c'est casse-gueule notre histoire là. Que j'étais là-haut? Ah non. Regarde-moi ça, May! Ouais, trop classe, mais te casse pas la figure! Ah! J'ai failli, madame. Ah, ah! Ah bah voilà. Il saute pas, mon personnage. En quoi, tu fais gaffe, il y a des trucs électriques, j'ai l'impression, ouais. Fais gaffe, il y a du courant qui passe dans les tuyaux. Ah! Question de me refaire électrocuter. Bah voilà. Là, c'est assez énervé, les... Aïe! Raté! Elle saute du con! Mais bon, je suis arrivé! Je t'attends! Ah! J'ai peur! Ah, c'est bon, là, t'arrives au bout là! Bonjour! Ah, par contre, on a plus de marteau, on a plus rien! Ah, d'accord, pour continuer! Synchronise.
Allez, encore une fois. Ah d'accord. Il y en a un de chaque côté, c'est ça? Non. Ah là, il y a deux rails. Où ça? Ah oui. Il y a deux rails, il y a deux interrupteurs, faut qu'on passe. Ok. Par contre, est-ce qu'ils sont synchro? Ah bah on va voir. Le 1, go! Deux. Je pense qu'il y a plus de délai de toute façon. Ah mais moi il est plus court apparemment. Il est un peu plus. Ah c'est bon. Non mais c'est bon. Ah bah là aussi. Ouais, bah attends. Ah! Bon. Ah oui, là c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on y aille en même temps. Allez. Je suis prêt. Vas-y, go. Prends-toi. Ouais. Avion! Ah. On a raté le. Ah, mais non, n'y va pas du con. Merde. 3, 2, 1, go. Ah merde, j'ai mis sur le mauvais. Ça a appuyé sur le mauvais. Pourquoi ça m'a mis celui-là? Allez, go. 3, 2, 1, go. Ah bah j'ai pas appuyé, je crois. Ou c'est moi qui ai pas appuyé, je sais pas. 3, 2, 1, go. Allez. Lui là c'est la fin, alors on s'est regroupé. Ah ah. D'accord. Ah non 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 non, salaud, salaud. C'est quoi cette... Cinématique, on va se faire éjecter je sais pas où. Mais regarde, ah c'est tes vieilles jumelles. Génial, cherchons Rose. Oui, voilà, il faut qu'on la trouve. Ah oh oui, je sais qu'on ressemble à des poupées, mais en fait, on est ses parents. Je sais qui vous êtes. Rien n'échappe à mes lentilles. Regardez. Là, là-dedans? D'accord, ok. Alors, voyons voir. J'ai l'air mort. Je suis mort. Vous n'êtes pas mort. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce que je sais, c'est que Rose est assise ici avec ses poupées. Et vous avez pris vie tous les deux. Quoi? Juste comme ça? Vous n'avez rien vu d'autre? Il y a bien eu quelque chose de bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait. Oh. Je sais, plutôt inhabituel pour Rose. Et j'en suis parfaitement sûre, car j'ai vu ses larmes tomber sur ses poupées. Des larmes qui tombent sur les poupées, c'est... Attendez, attendez. Je sais ce qui s'est passé. C'est un sort. Oh, c'est complètement ridicule, Cody. Il faut qu'on reste logique. Mais, regarde. On est en train de discuter avec une paire de jumelles. Il n'y a aucune logique. Oh, bon sang, je ne crois pas une seconde au sort. Ok, et est-ce que tu croyais que tu pouvais te changer en pantin de bois, hein? Exactement. C'est forcément les larmes. C'était un sort, je t'assure. Alors, si c'est bien un sort, comment est-ce qu'on le brise? Ok. Je sais. En fait, moi et Rose, on a lu un paquet de trucs sur les sorts. Je suis quasiment devenu un sorcier. Ouais. Alors maintenant, laisse-moi respirer. J'ai besoin de réfléchir. Ok. Bon. Si ces larmes ont servi à jeter le sort, alors pour le briser... Oh. Pour briser le sort, il nous suffit d'utiliser à nouveau ces larmes. Boum. Oui. Ok. Donc maintenant, on doit la trouver et la pousser à nous pleurer dessus. Hmm? Vraiment? Mm-hmm. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez où on peut la trouver, Madame Jumelle? Elle est dans sa chambre.
merci. Tiens, mais... Mais comment on arrive dans sa chambre d'ici? Fastoche, on monte dans l'arbre!